t'explique la situation. Si tu veux, on est en pleine semaine, les enfants sont à l'école, il fait un temps dégueulasse, On est là. mais Valé est là et ça fait plaisir, ça va? Ça va. Quel mytho celui-là. On va se motiver. Ouais. Bon, allez, un peu de cross-country à notre chère abbaye, l'abbaye de Villers. Est-ce que je t'avais dit que j'avais acheté des nouvelles chaussures ou pas? Enfin, j'ai investi dans des chaussures hiver. Il fallait parce que c'est nécessaire, il me semble. Enfin, un achat utile. Hein, ça va changer de mes achats inutiles. Je fais beaucoup d'achats inutiles. Ok, allez, c'est parti, on y va. Ouh, motivation. Association de gens normaux, on est des types super sympas. Ambiance ultra amicale, association de gens normaux. Hier soirée banale, avec tes tessons, buvait de la bière. Prévu, je suis normal et j'ai rien fait, monsieur le commissaire. Je vais te montrer, Valet. Montre-moi. Parce que va falloir que tu m'aides aussi à pas se perdre. Ouais, on va essayer. Nous allons suivre un parcours qui est là. Ouais. Donc, nous, l'objectif, c'est celui-ci, exactement. D'accord. Ok? Ouais. Alors, il nous laisse passer ou pas? J'ai l'impression que oui. Merci beaucoup. Ah ouais. Voilà, c'est ce que je te racontais. Oh oui, voilà, bien dégueulasse comme il faut. Voilà, comme je disais, oh là, il y a du caca là. Donc là, on est en descente, hein, si jamais. On est complètement freiné. Et voilà, une heure de nettoyage, parti en 15 secondes. Valérie, si tu veux faire des roues arrière, c'est maintenant. C'est pas ma spécialité, hein. C'est plus la tienne. Voilà, dans l'arbre. Dans l'arbre, non mais le départ est bon, tu sais. Tu veux du spectacle, c'est ça que tu veux? C'est pour ça que tu regardes la vidéo? Tu veux voir du spectacle? Bouge pas, mon gars. On baisse un peu la selle. On sort son paquet. Voilà, c'est pas mal. Attention. Waouh! Laisse tomber. Oh, regarde, une fille. Allez, c'est bon. Quelle classe. Je te laisse ici, mon gars. Panneau. Est-ce que c'est des balles ici? Dis-moi pas qu'on est déjà perdu. On a fait 10 km et on fait déjà demi-tour, hein, donc tu vois plus ou moins le niveau. Hein. Oh là là là, mais tu te rends pas compte là, mais ça aussi je pense que tu te rends compte quand même. Allez, t'as déjà fait ce parcours une fois. Oui, maintenant je me rappelle, je pense avec toi et ton frère. Exactement. Avec mon frère Anthony. Alors le panneau de mémoire c'est tout droit, mais Allez, oui, regarde ça. Il est là le panneau. Le panneau il est là. Bon, la dernière fois il y avait le truc à terre, mais avec Kevin, on avait pris le modèle de la colle ici, de l'usure du panneau pour savoir de quel côté, tu vois, pour savoir de comment il était collé, tu vois, vraiment. Et du coup, on a déterminé que. Bah, je sais plus. Non, je rigole. C'est par là, ouais. Là par exemple, j'ai pété. T'as vu ça? Un peu de spectacle. Ah vache!
Je me suis surpris moi-même. Ah merde, putain, ouais, il faut remonter par là. Ouais, c'est ça, il faut remonter par là. Allez, on remonte alors. Allez, va aller. C'est parti. Attends, attends. Oh. Ça sent l'échec. Excuse-moi, je vais, tu veux que je t'aide? Ah, vas-y, tout le monde te regarde. En plus, c'est monté facile. Allez, go. Allez. Non. Allez, est parti, lui. Ça va pas. Allez, go. Allez, 3. Oh non, j'aurais pas dû faire comme toi. Oh, j'aurais pas dû faire comme toi du tout. Allez. C'est extrêmement épuisant. Qu'est-ce que t'en penses, Valé? Ça monte bien. Pause. Quand même costaud, hein, Villers. Putain. En été, ça va bien, mais en hiver... Je te laisse passer devant. C'est parti. C'est uniquement pour les images, on est d'accord. Donc là, évidemment, je suis complètement cramé avec le bruit de mes freins. Wop, c'est passé tout juste, mon gars. La pédale a touché comme pas possible. Valerio, il m'a déjà tracé. Non. Oh là, il y a de la racine, tu les vois pas, mais les racines, elles sont vénères. On laisse courir un peu, on fait attention ici, il y a une putain de... Bon là, c'est surtout les barbelés. Hop, on laisse couler. On sort un peu le pied dans les virages. On sort complètement le pied. C'est ici qu'on a perdu la trace du panneau la dernière fois. Et là, tu kiffes avoir les chaussures hiver, mon gars, ouais. Mais d'une force. Gore-Tex, Top Wind, tout le bordel. Ça se ventouse. Là, avec mes 5 Ten en toile, je serais en train de me plaindre comme un gros dégueulasse. Bon, voilà, à partir de là, on est là. Je sais qu'on est perdu, puisque je me suis déjà perdu au même endroit. Voilà, ça. Tu vois ce qui t'arrive là? Les babouches, quand j'avais commencé que j'avais des chaussures comme ça, ça me rendait dingue. Parce qu'en plus, t'en foutais plein les doigts, enfin soit. Donc soit on va par là et on peut récupérer le toboggan Tangessar, ce qui est quand même plutôt sympa. Et puis après on avise et on essaiera cette voie-là un peu plus tard. Mais là devant nous, je te dis, la merde, la merda, la ralate. C'est le bordel. Putain, mais un mouchoir de poche, le mec. Comment t'as fait? Comment il a fait, quoi? Alors moi, il n'y a ni mon corps, ni mon vélo qui passe, quoi. Je passe pas tout. Et pourquoi je te suis, moi? Je fais n'importe quoi. Je te passe dans des trous de souris. Non, ah non. Excuse-moi, Valé. J'ai voulu faire une Joël.
Tu dis ça quand je me casse la gueule. C'est toi qui m'as poussé un peu la roue, non? Non, vélo. Attention, ça va. Ça va éclabousser. Oui. Ah. Allez, on y va. Et je regrette tellement. Ah ouais. Ok. Je regrette. L'eau a complètement pénétré mes chaussures. Ah, voilà. Je regrette à fond ce que je viens de faire. Et l'eau est gelée. Valet. Oui. À toi. Moi j'ai déjà donné. Attends, je prends un peu d'élan. Je vais essayer de la petite. Allez. Vas-y. Petit homme, petite place. Petit. Wouhou. Ouh. Donc là, j'ai failli me torcher, je sais pas si t'as vu. Bien joué, c'était joli. Ça fera une belle photo. Je viens de passer dans une grosse flaque. Regarde. J'utilise du squirt pour ma transmission. Avec le squirt, t'as vu? Avec une seule flaque, ma transmission est redevenue nickel, quoi. C'est vrai, hein? C'est vrai. Avec le squirt, moi, c'est mon... Je suis très pro Mekoff, mais pour le... Toi, regarde, dégueulasse. Oui, dégueulasse. Moi, j'ai pris une petite, voilà. Voilà. Alors, regarde ma transmission, hop, avec la cire, et ben la boue ne tient pas, donc au premier rinçage, ça dégage. T'as vu, on dirait un slogan de publicité. C'est vrai. Avec le squirt, la boue ne tient pas, au premier rinçage, ça dégage. La boue, ça dégage, c'est vrai. Ah vache, putain, je suis quand même bon. Et tu mets du Mekoff? Non, c'est du squirt. Oui, c'est ça s'appelle. Ça s'appelle squirt, ouais, et si tu tapes ça sur Google, fais-le pas devant tes parents. Ouais, toi, elle m'a fait la même chose que tout à l'heure. Ok, donc vous venez de rater quelque chose. Encore. Encore. En fait, je viens de parler pendant 3 minutes devant la caméra et je viens de m'apercevoir qu'elle était éteinte. Je suis un peu flemmard de répéter tout ce que je viens de dire. Valérie va avoir la tête comme un champignon. Ça va. Grosso modo, j'avais dit qu'on s'était vraiment bien amusé, que ça n'avait pas filmé et qu'on se dirigeait vers le toboggan de Tangisar, qu'il y aura 2-3 petits sauts à faire. Ça filme encore? Oui, bien sûr. Ah, c'est bien. Nous voilà rendus au toboggan de Tangisar, hein, qui est évidemment tellement fun l'été. C'est quoi ce petit vent là? Ouais. Petite pensée pour Kevin. Bon, il y a des petites jumps à faire, quoi. Ouais, mais je... Bon... D'accord. Wouh. Ouais, c'est la merde. Oh, c'est la merde. Bon, en principe, toi, virage relevé, mais là, c'est mort. T'avais un premier saut ici. Bon. On a connu ça plus glorieux, ok. Mais tu vois là, on a fait 10 km. C'est 10 km qui sont sympas, tu vois. Il n'y a pas de kilomètres où tu es là comme un con en train de pédaler gratos, quoi. Il y a pas de grosses montées, il y a des descentes sympas. Ouais. Bien. Parce que je me sens bien physiquement là, tu vois. 10 km. Bah oui, ta gueule aussi. Oh, ça pue. Ouais. Oula, ça pue là. Oula, si tu veux nous accompagner, je te propose de péter dans ta main. Et respire un peu ton prout là, tu seras avec nous pour de vrai là. Oh la vache, on a l'impression d'être dans le cul de quelqu'un. Pas de temps. Attends, j'ai déraillé. Ici, allez. Alors là, attends. Oui. Hey,
à ce que tu viens seulement de capter. Est-ce que tu as capté où on est ou pas exactement? Exactement. Exactement, non. Bah allez, pose ton vélo deux secondes, s'il te plaît. Tu me dis, hein, tu me dis stop dès que t'as flashé. Oh non. On est descendu mal ici. C'est fou comme notre sens d'orientation est vraiment nul. C'est vrai, c'est vrai. On est passé par là il y a quelques minutes. C'est vrai. Et t'as l'impression qu'on s'est éloigné du ouf. C'est vrai. Et en fait on... On tourne en rond. Oh, oh, oh la souche. Tu l'as pas vu? Non. Allez, ça m'ouvre. En tout cas, ça fait tellement plaisir de profiter de cette belle nature ici. Ça fait vraiment, vraiment du bien quoi, de pouvoir respirer un peu. C'est vrai, on est bien. C'est un peu drôle. Tu ne te souviens pas qu'on est passé par là tout à l'heure? Non. Si, 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 on est passé par là, j'en suis certain. Comme ça. Ouais. Ah ouais. Comme ça. Ouais, comme ça, exactement. Ah, mais pourquoi je freine comme un porc, moi? La démonstration. Easy game. Easy game. Trop facile pour toi, Valé, ça. Trop facile. Ici, personne n'a réussi à la monter, même en été. Toi, le mur devant toi, là? Ouais. Eh bien, c'est par là. On va marcher, alors. Si tu veux la tenter, t'as une descente avant, faut prendre de l'élan à balle. Bon, déjà, écoute. Déjà, j'ai envie de te dire que... Ça va marcher. Je sais même pas si à pied, on va y arriver. Moi, je me casse la gueule 2-3 fois, si. Voilà, je te propose de passer devant. Ah merde, je me suis fait niquer. Oh ! Ah oui, non, effectivement. Non, j'arrive pas par là non plus. Putain, mais c'est fou, même à pied, j'arrive pas. Hop là. Et hop là. C'était cool. C'était cool. C'était cool. Bien, bien sale. Oh là là là, là c'est sale, c'est sale. Mais c'est fait pour le sport. Alors on a fait combien de kilomètres? Bah en fait, regarde, ça s'affiche. Non, je ne vais pas t'afficher les kilomètres. Oui, affiche. La moyenne et tout, oui, on va l'afficher. Ça ne doit pas être incroyable, mais voilà, le dénivelé, je suppose qu'il n'est pas dégueulasse pour le nombre de kilomètres. En tout cas, je me sens bien physiquement, enfin, j'ai pas souffert, ni les jambes, ni le cardio. À aucun moment, j'ai subi. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, c'est aussi, j'espère, lié à ma perte de poids. Valé, merci beaucoup pour la balade. C'était vraiment cool. Ouais. On s'est bien amusé. Ouais, mais ce parcours est top. Ouais. On sort 2 heures, c'est parfait, toi. Mais laisse la vie, c'est cool, vraiment. J'ai envie de te dire à la semaine prochaine, à très bientôt. Au revoir. 14 km. On va pas le mettre. 14 km, 1h30. 300 de dénivelé. Ouais, bon. Mais c'est pour ça que je me sens bien, peut-être. C'est que c'est pas incroyable, mais en hiver, ça fait plus. Ouais, là, on double. Je crois qu'en hiver, il y a une étude américaine qui a prouvé que ça doublait le parcours quand c'est dans la gadoue. C'est vrai. Une étude from Washington. Ouais. Ouais. Du coup, ça fait 30 km, 600 des plus. C'est bien. Voilà, on va partir là-dessus. Allez, ciao. Ciao. Instantanément, je...